Bien, salut tout le monde, c'est Arkaïs, on se retrouve pour l'épisode 6 de la série Minecraft, série aventure. Dans l'épisode 5, on s'était quitté sur un accouplement de chiens, donc je le fais rappeler les noms, Damien, Jumpy et Milou qui est parti. Donc voilà, donc Jumpy est revivant parce que dans l'épisode 4, il s'était fait exploser, la forêt est en train de brûler, bon elle brûlera pas entièrement, et nous on va tout de suite rentrer à la maison parce que... Et ce qui est bien, c'est qu'il va bientôt faire nuit, donc on va pouvoir se battre contre des Endermen, car je vous rappelle que je cherche des Enderperles pour faire des Ender du néant, enfin dans des œils du néant, voilà. On va tout de suite commencer, on va se faire la bouffe, et on y va. Donc la maison est par là, à mon avis, hein. Peut-être que je l'ai paumé, hein. Peut-être que je l'ai pas paumé. Buter ces cochons, c'est de la bouffe, dans... On va attaquer. C'est des vraies machines de guerre. Ils attaquent. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Bon, on va bouffer un peu, voilà. Donc, je vous rappelle que ma quête c'était de trouver un cheval, mais je n'en ai pas trouvé, bien malheureusement. Et on va pas s'attarder sur chercher un cheval. Hein, à mon avis, on en trouvera un au cours des épisodes, carrément au hasard, dans une plaine. C'est sûr qu'on ne trouvera pas un cheval dans ce biome-là. Mais est-ce que le son enregistre? Le son enregistre, c'est très bien, c'est merveilleux. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je sais pas où je trouve où je suis. Hein. À mon avis, moi je sais que le coffre est par là. Après, avec combien de blocs, ou je sais qu'il faut passer un désert. Au pire, je regarderai la survie 4. Non, l'épisode 5 pour trouver le coffre. Là, ce qui est cool, ça va être la nuit. Donc, à part se faire marteler la gueule, on peut aussi tuer des Endermen qui nous donneront des œils du néant. Vous êtes sûr que Milou il est... Ah non, Milou il est là, ouais, c'est bon. On a tous les chiens. Je sais pas combien de temps ça met un chien pour grandir. Mais tu survis. Tu survis, Milou. Il va faire nuit, est-ce que... Attendez. Difficulté normale, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je préfère vérifier qu'on était bien en difficulté normale. Ouais, c'est fait, non, Marc. Parfait. C'est pas ça que je cherche, moi, je vais un Enderman. C'est pas dans ce biome-là qu'on en trouvera, à mon avis. Ah, le désert, je le vois. Ah. Non. C'est pas un Enderman, ça. Parce que... À mon avis, on a le stuff nécessaire pour aller dans le néant. Hein. C'est pas, il faut pas un stuff jams, hein, non plus, il faut... À mon avis, du strict minimum, donc le stuffer pour moi, je trouve qu'il est suffisant. Non, me regardez pas comme ça, je me suis cassé la gueule, je le sais très bien. Alors aujourd'hui, épisode, si on a le temps, on construit la maison, soit c'est retour à la maison, on découvre d'autres trucs, pourquoi pas, il faudrait bien que j'arrive dans un désert, c'est plus intéressant que ce biome là, c'est beaucoup plus intéressant même. Battage de vache. Je crois que j'avais une autre épée. Ouais, bon. Non, je vais peut-être laisser dans le coffre. Peut-être que j'ai usé la dernière, donc c'est celle-là. Je sais pas. Allez, on y va. Il n'y a pas beaucoup de mobs, là. Ça me paraît un peu bizarre. Il y a quelques petits zombies. Bon, inintéressant. Ah! Je sais pas où je suis, hein. Vraiment là je me suis paumé mais complètement. J'aurais dû prendre les coordonnées avant de partir comme un con, je les ai pas pris les coordonnées. C'est bien regrettable. Un Enderman c'est génial, je crois que j'en ai... Ouais parfait, j'en ai pas. On va tuer cette fois de zombie là. Après on va s'occuper de l'Enderman. Putain il y en a combien? Donc il dépop, faut pas qu'il dépop. Il dépêche, je vais le tuer. Hop, et il faut s'occuper aussi des chiens. Merci les chiens. On va s'occuper de... Ah, il y a des pop. Oui, c'est téléporté. Non, il est là. On va s'occuper du squelette. Voilà, voilà. Et en même temps, on va s'occuper de l'Enderman. Ouf, ouf. Ouf. Il m'a looté une perle de... Ah non, non. Ah non, il m'a pas looté une perle de l'Ender ou quoi? Ah non, il m'a pas buté une perle de l'Ender. Vous voulez de la viande comme ça? Attendez toi, t'aimes ça? T'aimes ça? Oh, t'aimes ça, c'est bien.
Bon, bah, il va pas louper de perdre Under, c'est bien dommage. Hein. Bah, on va repartir. Ça sert à les chiens, hein. Là, ils m'ont vraiment servi. Ah, parfait, je trouve la plaine. Ouh, un loup. Parce qu'avec deux os, tu vas être content. Oui! Yes! On a un autre loup. C'est parfait. Est-ce qu'on peut aller la coupler? Ou ils sont en cours d'accouplement? Oui! Parfait! Parfait, parfait. Non. Bon, c'est parfait au moins. On a 4 loups. C'est parfait, allez on y va. Je vais te renommer. Bah non, maintenant il y a deux petits chiens. Je vais te renommer. Je sais pas. Rang. Attendez. Je vais réfléchir comment je vais le renommer. Putain, ça je me méfie. Waouh. Pas de blessé. Fort à la pêche chez moi. Alors il y a Milou, il y a déjà Milou, Jumpy, il y a ouh, des moutons marrons. Non c'est inutile. Il y a Milou, Jumpy, le dernier Damien, donc on va le ramener. Je sais comment je t'appelais. Tu es où? Attends une seconde. Je m'occupe de. Oh merde, je vais foutre une droite. Oh yes. Gentil ça. Bon, je te renommerai à la maison parce qu'à mon avis il y aura un chien qui sera déjà mort donc je pourrais lui te donner ce nom là. Enfin, j'ai deux chiens à renommer. J'ai pas d'idée. J'ai vraiment pas d'idée. Alors, ça c'était mon totem pour dire que c'était par là. Donc, on est bien sur la bonne voie donc c'est bon. Donc, c'est par là. C'est parfait. On y va. Il n'y a pas d'Enderman. C'est bien dommage. Toucher. Allez, on court. Ça serait bien qu'on arrive avant la nuit. À mon avis, on peut y arriver avant la nuit. Je vous laisse m'en occuper, les chiens. Putain, il y en a un Enderman. Parfait. Oula, oula. Voilà, parfait. Exécuté. Ouh, putain, viens, 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 toi. Voilà, tu viens de la nourriture. Enderman il court, c'est bizarre. Occupez-vous de cette araignée. Occupez-vous de cette araignée. Voilà. Et occupez-vous de celle-là. Voilà, parfait. Je suis imprenable. Et pas de perle de l'Under. Punaise. Punaise de radin là. Bon, au moins il y a de l'XP, c'est pas mal. Allez, on y va. À mon avis, je sais pas si si un chien, est-ce que ça change une différence, que c'est un chien ou moi qui tue un mob. Peut-être que ça a une différence. Ah! Oula, oula. 3, 3. Ah, on a perdu une perte là. Ouais, on a une perte, bon tant pis, c'est pas grave. On a le bébé chien qui est mort. Sauter dessus, mangez-le. J'ai le droit. Donc il y a le bébé chien qui est mort, bien dommage. C'est bien dommage. Encore une explosion de creeper, à mon avis. Ou moi qui l'ai tué, je sais pas. C'est vraiment pas. Je sais pas si c'est dans cette direction ou pas, donc faut dire qu'on marche un peu au pif là. À mon avis c'est par là, hein. C'est logiquement par là. Au pire si on trouve une bord de mer, si on trouve le bord de mer, ben on le long, là. Pas s'embêter la vie. Explose pas, explose pas. Ah, il y a une forêt, ouais c'est parfait, c'est par là à mon avis. Attendez, on reste un saut. Et non, ah bah attends, j'ai une idée. On va pas prendre un seau d'eau, on va prendre un seau de lave. Comme ça on aura de la lave pour le four. Alors on va faire cuire avec de la lave, ça va beaucoup mieux. Comme vous pouvez le voir, la dernière fois, ça a fait 32. Oh, j'ai vu un cheval. Voilà, enfin, j'ai mon cheval. Je suis allé vachement loin. Mais, au retour, je retrouve mon cheval. Oh yeah! Ah, mais c'est le village de Benji. Oh, bah c'est bon, alors je sais où je suis. Peut-être que c'est un autre village de... Ah, c'est un autre village de Benji. Oh, parfait. Hop, on va tout de suite chevaucher ce cheval. Attendez, faut vraiment choisir un bon. Ouais, lui, bon. C'est le seul que je peux avoir. Allez, accepte.
Accepte-moi. Ah, attendez, je. Viens. Accepte-moi. Je t'appelais Findus. Alors, j'ai pas envie d'avoir problème de droit d'auteur. Enfin, je sais pas si on peut avoir des problèmes de droit d'auteur. Ton surnom, voilà, ton surnom sera Findus. Oh, tu m'as accepté? Ah non, même pas. Il va me balancer dans la crevasse, ce con. Super dangereux ce que tu fais là. Tu vas pas avec moi. Accepte-moi, s'il te plaît. Non, il est tombé dans la crevasse. Belle crevasse, hein, d'ailleurs. On n'a pas besoin de cette crevasse. Il est tombé dans. Oh putain, arrêtez de tomber dans la crevasse, bande de. Attendez. Oh non, il est tombé dans la crevasse. Oh, je suis deg. Mais arrêtez de tomber dans la crevasse. J'ai un autre cheval dans la crevasse. Bon, on va pas s'aventurer. Venez les chiens. Ce village, je suis pas allé. Je peux dire que j'ai trouvé un autre village de PNJ. C'est parfait. On est coordonnées, voilà, comme ça on pourrait y retourner. Ça c'est pas. Oh, il est tout petit. Beaucoup de villages. Hein. Je trouve pas mal. Ouh, la forge, par contre, ça, la forge est intéressant. Il me donne du diamant, c'est encore plus intéressant. Ah non, wow, ça donne des sels, c'est bien. Ça, on va prendre compte ça. Ça c'est de la bouffe, donc c'est utile. T'aimes les pommes, toi? Non, t'aimes pas les pommes. C'est facile. Prendre ça aussi, on va le mettre contre ça, ça on va l'enlever, on va prendre ça, ça on va l'échanger contre l'os, on va se rééquiper, tac, tac, ouais, c'est, vous allez me dire que c'est gâché, mais bon, j'en suis, on m'en fout un peu, c'est se gâcher. On a perdu les chevaux, je suis dégoûté. Alors, pour une fois, on va les piller, on va prendre la bibliothèque, ça va nous servir pour faire la table d'entrepôt, je crois. Donc, on va les piller, qu'ils n'ont aucun mérite d'avoir une bibliothèque chez eux. Savent pas lire. Donc on va les piller. J'avais trouvé, je suis dégoûté, j'ai trouvé un cheval. Il est mort. Mon canasson est mort. Attendez, on va y retourner pour voir si s'il n'a pas grandi. Il a grandi, c'est parfait. Non, il n'a pas grandi. T'as grandi? Non, t'es encore un bébé cheval. Moi je serais, ça m'intéresserait bien de voir dans cette crevasse, à mon avis on va pas trouver des ressources. À mon avis, ouais. Alors est-ce qu'on y va maintenant? Ouais, on y va. Putain, il y en a. Putain, il y en a un méchant qui est mort, c'est parfait. Il meurt un par un, c'est dingue. Hein. Bon, vous savez quoi? Hop. Oh, j'en ai marre. Hop. Viens ici, viens ici. Viens ici. Et les bébés chiens, ils sont où? Il n'en reste plus que deux? Ok, donc il reste plus que deux chiens. C'est parfait. Ils sont tous morts, en fait. Oh, putain, tu peux... Ah. Viens là, toi. Viens. Viens là. Allez, approche. Venez là. Putain, j'ai pété un point avec lui. Voilà, voilà, voilà. Stop. T'arrêtes là, tu t'arrêtes là. Parfait, vous restez ici. Sinon, j'ai pété un point avec vous. Hein. Vous allez encore mourir. Donc, plus aucune perte. Cette fois-ci, on va plus faire de perte. Je vais sauter. Et donc là, on est dans une bonne crevasse pour trouver du diamant, à mon avis. Ouais, c'est parfait. Donc là, on va trouver du diamant, à mon avis. Il y a un main shaft là-bas. Attendez. C'est bon, tac. Ah, merde. Donc on va prendre les torches, on va jeter ça, on va se jeter, qu'est-ce qu'on peut jeter d'autre? Voilà, les tonnes, on a tellement, voilà. Et maintenant, et là je regrette de ne pas avoir pris un pseudo. Tout simplement, car c'est, là ça va être mon meilleur ami le pseudo. Hop. Comme ça. Allez, on va traverser cette crevasse en mode safe. Aujourd'hui c'est minable alors. On va au fur et à mesure. Cette crevasse est vachement belle, on peut le dire.
Ah, une torche bloque la source d'eau. Ah, c'est marrant ça. Je savais pas que ça pouvait casser une source d'eau. Attends, on va bien trouver du diamant ici. C'est pas possible. C'est pas possible de pas trouver du diamant. Elle est belle, elle est, je sais pas, elle est toute petite là quand même. J'ai jamais vu ça dans Minecraft. Une crevasse si petite que ça, c'est rare quoi. Faut trouver du diamant. On va trouver du diamant. J'ai perdu la moitié de mes chiens pour être dans cette crevasse. C'est vrai que j'ai perdu quand même la moitié de mes chiens. C'était, ça montre à quel point je suis un très bon maître. Je vous permets pas de douter de mes capacités. Je rigole. Non, non, mais c'est horrible comment je peux perdre des animaux si facilement. Mais je trouve un cheval, je peux le tuer. Les deux chiens, non, les trois chiens même, les trois chiens sont morts je crois. Donc il reste plus que Damien et Jumpy. Et Jumpy maintenant il a un collier bleu alors. Voilà. Damien a survécu, ça m'impressionne. Bien. Il m'en voudra pas au moins. De l'or, mais pas de diamants. Ah merde. Ah, c'est la fin de ma pioche. Une triste fin pour une belle pioche. Oh là là, c'est le bordel dans mon inventaire. Tu vois, comme ça, on monte avec ça. Vraiment, il faudrait trouver du diamant. Aujourd'hui, on va pas chercher la maison, on va trouver du diamant. On va trouver cette fois-ci du diamant. La dernière fois, on n'a pas trouvé du diamant. Bon, cette fois-ci, on va trouver du diamant. Merde. Oh, il y a de la lapis. Pas mal ça. Attendez, attention pour vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut jeter cette bordel? On va jeter ça. C'est inutile. Ça aussi, c'est inutile pour l'instant. Enfin, pour l'instant, je dis pas que ça va être inutile pour les autres fois, mais pour l'instant, c'est inutile. Donc, on va le torcher. Ça, casse-toi. Vénère cette chauve-souris. Hop. Oh. Facilement ici. Ah, on va trouver du diamant. Faut qu'on trouve du diamant. C'est important, c'est primordial quoi. Ouais, bon là on n'est pas si haut que ça. On peut trouver du diamant à cette couche à mon avis. Et là, vous êtes derrière vos écrans. Mais non, faut descendre plus. Mais non, monte un peu plus. Oh, tu sais pas comment trouver du diamant, mais t'es vraiment nul. Et je comprends totalement des fois parce que moi ça m'énerve quand je vois des gens qui n'arrivent pas à trouver un truc si simple parce qu'ils n'ont pas l'habitude et des fois je vais l'avouer je pète un câble devant mon écran en me disant putain mais qu'est-ce que tu fais mec voilà mais au final hein, je sais pas pour ça que je dislike une vidéo ou un truc comme ça hein. Je dislike très rarement une vidéo parce que c'est vrai que disliker c'est quand même un geste où on dit vraiment de ouais c'était de la merde et tout Une vidéo, ça, il faut savoir que chaque vidéo a un travail. Voilà, chaque vidéo a un travail. Bon, après, ça dépend. C'est sûr qu'il y aura des vidéos moins bien que les autres. Si c'est des vidéos de critique qui sont pas à faire sur YouTube, bah, ça oui, on peut dislike. Voilà, donc après. Alléluia, du diamant, j'ai trouvé du diamant. Alors voilà, on est à la couche combien comme ça? On va enfin dire que on va vraiment enfin trouver la couche pour le diamant. Hop, tac. On est à la couche 14. Donc on peut trouver du diamant à la couche au-dessus de 11. Donc mes calculs sont bons. 11 à 20, 11 à 16 à peu près. On peut trouver du diamant. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc on a trouvé du diamant. Je suis content. Non, vraiment, c'est vachement bien. On a trouvé du diamant. On va pouvoir faire notre table d'enchantement pour s'enchanter. C'est vraiment un bon pas pour l'humanité. Arcaïs qui s'enchante, c'est parfait. Hop, voilà. Et on va chercher du diamant. Attendez, on va ramasser le fer, on va tout récolter, tac tac tac. On va tout piller et là du diamant. Hop, 1, 2, 3 diamants. 3 diamants, c'est parfait. Tac, on va les mettre là. Voilà. Prendre ça
Il y a beaucoup de fer par contre là, ça m'impressionne, j'ai quasi plus d'un stack chez moi. Hop. Question fer, on sera posé. Voilà, donc là on va s'arrêter là pour cette crevasse, on va dire. Et on va voir la mine shaft. La mine shaft peut être intéressante dans le sens où on pourra peut-être trouver aussi des coffres qui comportera des diamants, des sels. Mais en fait, il faudrait bien avoir une laisse pour au moins les attacher la prochaine fois. Comme ça, ils arrêteront pas de mourir. Comme ça, mes animaux pourront me suivre en toute sécurité. Ça, on va jeter tout lourd. Ça n'a rien à faire dans mon inventaire. Je m'en fous complètement. Et on va passer ce couloir sombre. On va pas torcher ce couloir. Hein. Quelques secondes de sombre. Par quelques minutes de sombre, on va juste prendre la redstone. Voilà. Alors, la redstone, je vois vraiment pas ce que je vais en faire. Enfin, si, il y aura des circuits, des canons, peut-être le parc d'attraction qui va peut-être être, et surtout pour la chimie. Donc, la redstone aussi, je sais qu'est-ce que je vais m'en servir. Et on y va. Attendez, je vais passer par là. Ouais, ça va. Ouais, bon, on va prendre là toute la redstone du monde. Hein, on va prendre, là le nécessaire et on va explorer cette crevasse. Donc on va y aller juste en mode, attendez, on est allé par là, en fait elle est tellement grande qu'elle ça va être dur de tout explorer, donc par là et on va par là, donc on va aller par là, on va aller par là tout simplement. Waouh, j'ai plus tout d'eau donc je suis un peu dans la merde là. Je vais chercher l'eau ici. J'étais sûr qu'elle allait J'étais sûr qu'elle allait me servir, c'est tout. Et on va pas. Et on va faire la technique du. Putain de merde alors. What? Serait-ce un bug? Ouais. C'est un bug, c'est bon. Et on va faire la technique de du passage facile quoi. Hein. Alors moi je vous conseille quand vous avez des lacs de lave et vous avez un seau d'eau, hein, vous gênez pas. Bouchez tout le lac de lave. Mettre une petite torche, pourquoi pas aussi. Si vous prenez en vidéo, si vous voulez pas... Là je mets des torches parce que moi ça me dérange pas trop le sombre, c'est surtout pour la vidéo, donc je mets des torches pour vous voyez, pour avoir la meilleure qualité quoi. Genre je vais pas vous laisser comme ça, c'est là je crois qu'il y a de la lave, non pas ça. Tac 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 tac. Waouh, c'est classe. C'est déjà pré-miné. C'est pas mal les grottes maintenant. Je sais pas si c'est des rajouts, mais j'ai jamais connu ces grottes en 1.5 ou des trucs comme ça. Avant c'était des trucs bordéliques. L'aventure dans une zone à risque. On peut remonter, il n'y a rien ici. Ouais, y a rien. Alors on va monter. Casser cette torche pour la récupérer. Ici. Bon, y a rien. On va juste mettre une torche. Pour torcher la zone, voilà. Ça m'étonne, j'ai pas vu plus de monstres que ça, donc c'est pas mal. Hein. Je vais pas me plaindre personnellement, j'ai pas envie de me battre. Et voilà, j'ai parlé trop vite. Je vais en soumission face à moi là. On va acheter ça, on va acheter quoi encore? On va acheter que ça pour l'instant. 51 de fer, allez on arrive au stack et on sera tranquille. Il faudra chauffer tout ça avec un truc là. Alors, passer comme... Ouh yes! Ah, moins yes, moins bien, mais c'est déjà bien. Par contre, est-ce que ah chier, ben, il est con. Eh oh, je suis là. Oui, oui. Je sais pas, il est aveugle. Oh, il est où le monsieur? Il est nulle part, vas-y. Va crever. Ah là, je vais récupérer les rails. Et oh, ça j'arriverai pas à passer là-dedans. Tac, tac, tac. Merde.
Tac, tac, tac. On va s'arrêter à 30, donc là dans 9 minutes à peu près. Comme ça, on sera. Et on se retrouvera dans l'épisode 7 pour continuer du minage, hein, parce que c'est important le minage. Alors, certes, il y a comparé à d'autres séries, je traîne beaucoup pour faire mon stuff, mais après, voilà, c'est. Voilà, c'est vrai que je traîne beaucoup quand même pour faire mon stuff, c'est pas si grave que ça. Même, je crois que même on va s'arrêter dans, on va s'arrêter ici. On va plutôt s'arrêter hors dehors de la crevasse parce que là il n'y a plus rien à faire dans cette crevasse. On a tout visité. Le diamant, on en a, c'est vachement bien. On a trouvé enfin du diamant. Ah non, par là. Donc on s'arrêtera à 9 et on sortira cette crevasse après. Putain, c'est pas possible. Ah merde, cul de sac. Réunion de famille quoi. Waouh! Je savais pas qu'il y avait une réunion de famille ici. Oh. Aimez-vous? Couche 14, là je peux trouver du diamant. Juste ouvrir l'œil, quoi. L'émeraude aussi, ça serait bien. Je sais pas pourquoi trop. Je sais pas pour le beacon, mais voilà. Ça serait... Pourquoi pas trouver de l'émeraude? De toute façon, il faudra trouver de l'émeraude si on veut avoir. Parce que le but aussi, c'est pas que tuer les boss et faire. Tous les stuff, mais c'est aussi de découvrir à peu près tous les minerais quoi. L'émeraude à mon avis est un des seuls qui nous manque, je pense. On finit cette série petit à petit, mais à mon avis elle va durer encore pas mal d'épisodes parce que celui que je redoute le plus c'est le poisson parce que encore le wither ça va, c'est pas, il est dur à tuer et je le ferai en liberté, hein. Je ferai pas un piège à wither dans une cage d'oxygène, c'est pas intéressant. Si on veut tuer, bah allez qu'on soit fou, qu'on tue en liberté. Putain, qu'on tue en liberté. Mais le poisson, à mon avis, ça va être le plus dur à trouver, surtout à trouver. Je peux pas me lancer les dalles. Waouh, il y a beaucoup de trucs à visiter, quoi. Oh, une belle grotte. Mais par contre, question d'or, je suis un peu dans la merde là. Bon, ouais, je crois qu'on va s'arrêter sur ça pour l'épisode je sais plus combien. Donc aujourd'hui on a vu du diamant, on a enfin trouvé du diamant, donc c'est vraiment bien. Et on a fait un massacre de mobs, c'est moins bien. Et on l'a fait aussi involontairement, mais bien malheureusement. Donc... Attendez, une seconde, peut-être qu'on va trouver un dernier petit coffre pour conclure. Je sens le coffre là-bas. L'obscurité aussi, désolé pour vous. Juste, je vais assez rapide hein, pour... Non, il n'y a rien du tout. Ouais, bon, on va aller là-bas. De l'or, bah voilà, on s'arrête sur ce bloc d'or qu'on mine. Et sur cette lapis. Donc, aujourd'hui, pour l'épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Waouh, je suis plein. Plein nos as. Bon, au lieu de ça, c'est inutile. Voilà. Donc, j'espère que cette. Ouais. Donc aujourd'hui on a trouvé du diamant, on s'est fait quasi un stack de fer, quasi un demi-stack d'or, on a trouvé une selle, on a trouvé un cheval mais bien malheureusement on l'a tué, on n'a pas eu peur de l'honneur bien malheureusement, et nos mobs, nos chiens voilà, nous attendent à l'extérieur. Donc pour l'épisode 7 on sortira, on retournera à la maison, et pourquoi pas, peut-être qu'on y retournera un jour dans cette crevasse, mais pourquoi, là on sortira à mon avis. Et on verra. Voilà, on verra, on va au feeling quoi. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'est tout le monde.